que c'est toute la bataille menée depuis le XIXe siècle qui se trouve ainsi résumée. La bataille pour le temps de vivre. La conquête du temps de vivre. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'était que la vie pour un prolétaire au milieu du XIXe siècle? C'était à 7 ou 8 ans le travail pour le compte des autres. C'était le travail jusqu'à la mort et sans repos. Il n'y avait pas de retraite à la fin de la vie. Il n'y avait pas d'arrêt de vacances ou de congés payés en cours d'année. Il n'y avait pas de week-end. Il n'y avait pas de journée de repos. Peut-être parfois le dimanche matin pour la messe. La retraite. Étant entendu que lorsque la retraite a été fixée à 65 ans, la moyenne de vie des travailleurs était de 55. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, en arrachant à la société dirigeante les concessions qu'elle refusait.